Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Trial of Mana. Donc aujourd'hui on reprend l'aventure, je vous le rappelle, on est à Rolanto. On est donc probablement pas loin du boss, je pense. À vérifier, on va voir, mais comme il y a une sauvegarde, je me dis que il y a moyen qu'on aille affronter la madame. Ah bah tiens, vous voyez. What the fuck? C'est quoi ce truc chelou? Ok. Pour information, pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti la vidéo de Sakura Wars. Donc c'est une première vidéo, il y en aura plusieurs, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ok. Eh, c'est chaud. J'arrive pas à esquiver les trucs. Il est très fort. Il est très fort. Ce que je comprends pas, c'est qu'on lui fait que d'un dégât, quoi. Ah ouais, d'accord. Oh, attendez, je vais passer en plein écran que je galère là sur mon mini écran. Et on va voir un peu comment je vais faire. Mais comment ça se fait qu'ils font qu'évoluer? Ok, ils viennent tous me les tuer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire au final. Oh mince. J'espère que je vais arriver à le battre quand même. Ok, A-A-A-X. Bon, je lui ai presque enlevé la moitié de sa vie. Non. Si je pouvais bouger, ce serait vraiment pas mal. Putain, mais je vais pas y arriver. Oh, mais c'est un truc de dingue quand même. Je peux pas bouger. Thank you.
plus, il me reste quasiment aucun objet de... pour ressusciter quoi. Ah putain. Hors de question que je mange. Hors de question. J'adore quand j'essaie d'esquiver des trucs et que je me prends des gens. Ah putain. J'avais pas vu qu'elle était morte, elle. Putain, mais c'est nul! Le délai pour esquiver, c'est du grand n'importe quoi. Ah, bah oui, bien sûr, tout à fait. Ah, bah voilà, non, mais au bout d'un moment. Moi, je veux bien, hein, mais peut-être que je vais pouvoir bouger, je sais pas. Waouh, on l'a mis confus. Ça, c'est plutôt exceptionnel. Ça y est, il est plus confus. Trop tard, j'aurais pas le temps d'esquiver. Il vient de se passer quoi là? Pourquoi je suis minuscule? Oh putain, j'y crois pas, mais c'est mort. J'ai rien pour ressusciter en plus, donc... C'est génial. Lol. Et alors là, franchement, lol, quoi. Heureusement que j'avais sauvegardé. Enfin, en pratique. Pourquoi pas, ma foi? Je pense que je suis mal barré. Je pense que je vais le refaire un peu pour rien, là, mais bon. Que voulez-vous? Je vais pas aller me taper une séance d'XP. Bon bah allez go. Ça commence super bien.
Raté. Encore raté. Allez go. C'est qui a rétréci? Ok, je sais pas qui c'est. Ça commence. Un bonbon. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Ah, j'adore. Franchement, je suis totalement fan, c'est n'importe quoi. Non mais c'est une blague. Mais à quel moment, en fait? Non mais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Jamais vu ça. Genre, il y a 38 millions de pièges, en fait. On sait pas. Utilité. Entre les monstres, les pièges, le mec qui t'envoie les trucs. À un moment donné, moi, je veux bien, hein, mais il faut arrêter, quoi. Mais c'est pas grave, parce que je suis du genre à jamais laisser tomber. Donc, s'il faut que je le refasse 15 fois, je le referai 15 fois. Il n'y a aucun problème. Alors là, moi, j'ai toute la nuit. Je m'en bats les fesses. Ok, ça c'est bon. J'aimerais bien voir un truc. Ouais. Je vais le mettre en facile, juste le temps de... Le temps de faire le boss, je sais, c'est pas bien, mais bon, on nous le permet, donc c'est pas si mal que ça. D'autant que je crois que j'ai la difficulté la plus difficile en plus là en ce moment, donc on va voir si en facile ça change quelque chose.
Le truc c'est que le niveau Rainbow je suis niveau 19 quoi, c'est un peu n'importe la what. Alors le niveau que j'ai par rapport à lui il est un peu extrêmement bas quoi. Sa vie, c'est bien. Plutôt pas mal, même. Non, mais je dois arriver à 200% de la barre de une super attaque. Voilà. Et bam! Prends-toi ça. Et voilà. Ensuite, lance en double choc. Ah oui, d'accord. J'en aurais profité là par contre de son petit moment de baisse. Allez, petite incision en croix. Nouvelle petite incision en croix. Et il est presque mort. Mais ça y est, il est mort. Bon ben voilà, nickel. Et level up. Je vais récupérer cette petite jarre. Je vais me soigner. Et je pense que j'arrive au bout de toute manière. Mais bon, on va sauvegarder, on sait jamais. Parce que bon, ça fait toujours plaisir de battre ce genre de boss. Ouais, c'est bien ce que je pense. Et un nouveau boss. Hein. Bon, remarquez, vous me direz, c'est pas vraiment une barre de boss. Hein. Ah, il a un bouclier, il a bien explosé. Ah,
Il est où? Il est là. Hors de question que je perds. Je me dis, c'est hors de question. Ah, ils se sont séparés. Et ouais, parce que je leur ai mis trop de dégâts, donc c'était risqué de rester ensemble. Et là, du coup, leur barre de vie, elle descend beaucoup, beaucoup plus vite. Et comme en plus, on est sur le même ennemi grâce à la nouvelle tactique que j'ai mis en place automatiquement. C'est beaucoup mieux. Allez, une petite incision. Ça y est, on l'a eu. Un petit chahut. Un petit ouragan. Allez, on va massacrer. Oh, joli. Et j'ai gagné. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal cette histoire. J'aurais pris beaucoup d'XP ici. Après qu'il faut la battre, elle.私は美獣黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。欲しけりゃくれてやるよ。待て。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。 本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女がナバールを操っているみたいだ。とんでもねえ女だぜ。シャルロットも美獣は嫌いでち。おっぱいぼよよんだし。あ、でもまたもし攻めてきたらどうするんですか？ 一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫だ。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもうレムリカ本は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって 我々を導いてくだされ。
リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて、城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため、行方不明のエリオット王子を見つけ、マナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リーズ様、お気をつけて。ささ、風の精霊ジンもシャルロットのしもべになったことだし、ポルセナの英雄王様のところに戻るでち。レッツゴー。Combien vous pariez qu'il va y avoir un canon pour Forcina dans la cour de Lolanto? Ce serait trop drôle quand même. Ils vont trouver un moyen de nous accélérer la chose à mode normal. Enfin bon, on va voir ça. Et vraiment, je serais pas du tout étonné quoi. Bon, du coup, en tout cas, on a réussi à reprendre Lanto. Écoutez, ben, ce que je vais vous proposer, ça... Vous avez vu, il y a une grille, là. Et genre, on peut pas y aller ici. Ok. Ouais, donc j'allais dire, ce que je vous propose, ça va être de s'arrêter là pour aujourd'hui. Et de reprendre la suite, donc de se diriger vers Forcina dans le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a l'épisode de Sakura Wars qui est sorti, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Et nous, on se retrouve demain pour la suite, je vous dis à très vite, bye bye.